Question 7, ça c'est chapitre function. L'une de nos deux functions, f of x li 5x retire 7, g of x li x plus 4 sur 3, partie A, l'in de find f of 6. Alors, partie A, nous observez une function qui nous donne f of x li 5x retire 7, et l'in de road f of 6. Veut dire de nos function, côté na x nous pour remplacer par 6, il vient 5 fois 6 retire 7, et 5 fois 6 fait 30, et 30 retire 7 fait 23. Next, nous répondons partie B. Partie B, l'india, find g inverse. Alors, nous prenons nos function g of x, l'égal x plus 4 sur 3. Nous disons, let y is equal to g of x, let y is equal to x plus 4 sur 3. Next, nous pouvons cross multiply, nous pouvons faire x being subject of formula. Leaving x plus 4 fois n fait x plus 4 égale 3 fois y fait 3y. X pour venir 3y retire 4. Là, la dernière step, nous pour remplacer x là par f inverse. Là, la right hand side à droite, nous pour remplacer y par x. Réponse vin, f inverse is equal to 3x retire 4. Next, nous pour répondre partie C. Partie C. L'india given that f of p li égale g of p retire 2. Alors ici, pour partie C, avant nous pourrons f of p, f of x, li 5x retire 7, li veut dire f of p, veut dire que côté na x, nous pourrons remplacer li par p, li pour venir 5p retire 7. Next, dans l'équation, nous aussi trouvons g of p, alors g of x, ça nous connaît li, x plus 4 sur 3. Next, qu'est-ce que ça veut dire g of p? Côté na x de g of x, nous pourrons remplacer par p, divine p plus 4 sur 3. Et next, l'in de nous une equation, l'in de qui f of p, l'égal g of p minus 2. Alors, nous pouvons servir cette equation là. Nous pouvons remplacer nous même valeur qui nous est là. F of p, nous gagnons 5p retire 7. G of p, l'in p plus 4 sur 3. Alors, nous remplacer de cette equation là, l'in 5p retire 7, l'égal g of p, l'in p plus 4, sur 3, retire 2. Alors, nous avons besoin de solve sa equation là. Alors, dans l'équation là, nous remarquons qu'il y a une 3 ici. Qui nous capable de faire? Nous sommes capables de prendre tout ben TM, nous multiplier par 3. Alors, il y a 1, 2, 3, 4 TM, 5 TM pour fois avec 3, 5P pour fois avec 3 pour venir 15P, négative 7 pour fois avec 3 pour venir négative 21, égale sa fraction là, quand il pour fois avec 3, 3, 3 pour couper, pour SP plus 4. Et dernier, négatif 2 fois 3 fait négatif 6. Là, la next, divine 15p. Retire p. Non, on veut tout mettre un p à un côté, 15p, retire p. Ici, à droite, il y a 4 retire 6 fait négatif 2. Next, il y a constant term, négatif 21, nous pouvons voir à droite, il y a positif 21. La 15p retire p fait 14p égale négatif 2 plus 21 fait 19. Là, la valeur p pour venir 19 divisé par 14. Et nous avons fait le mix number. Divine n 5 sur 14. Ça, c'est réponse pour partie C. Next, nous répondons partie D. Partie D. L'india qui g of 5x retire 7. Ça, l'égal à x plus b. Qui ça veut dire ça? De g of x, côté na x, nous pourrons remplacer par 5x retire 7. Alors, g of x qui était? G of x li x plus 4 sur 3. Ça, c'est g of x. Next, g of 5x retire 7. Veut dire, nous expression côté na x, nous pourrons remplacer par 5x retire 7. Après, on a plus 4 sur 3. Alors, nous pouvons 5x négatif 7 plus 4 fait négatif 3 sur 3. Next, nous reprenons nos expression. Nous disons que g of 5x retire 7. Ça, il peut égaler ax plus b, root valeur a avec b. Mais c'est ça, g of 5x retire 7 qui nous gagne 5x retire 3 sur 3. Ça, nous besoin faire le format ax plus b. Ok? Alors, nous faisons le format ax plus b. Vous pouvez remarquer que dans sa fraction-là, une seule fraction, nous besoin partager. Nous faisons le 5x sur 3, retire 3 sur 3. Ça, il égale ax plus b. Next. Les pouvons 5 sur 3x, retire 3 sur 3 fait n égale ax plus b.
à ce nous observer get valeur a une 25 sur 3 veut dire valeur a 25 sur 3 et valeur b ici devine constant term ici constant term est négative n alors valeur b devine négative n ça c'est réponse pour partie d ne tu besoin faire ça expression a vient de sa format là alors expression a qui vient de sa format là et x plus b ici devine 5 sur 3 x retire n valeur a coefficient of x est 5 sur 3 valeur b constant term est négative n. Question 8. The table summarizes the distances d meters that 80 women threw the javelin. Alors ici, nous avons trouvé qu'il y en a 6 madames. Vous êtes javelot. Il y a une distance 20 à 25 mètres. 16 là-dedans. Entre 25 à 30 mètres. 25, vous êtes distance 30 à 35 mètres. 18 entre 35 à 40. 13 entre 40 à 45. Et qu'il y en a 2 entre 45 à 50. Partie A. One of these women is chosen at random. Find the probability that she threw the javelin 30 meters or less. 30 mètres ou soit moins que 30 mètres. Alors, il y a une autre probabilité qui distance ta lipovine 30 mètres or less. 30 meters or less. Alors, comment nous rôde sa probabilité? Nous pouvons compter combien, madame? Qui, je disais, une 30 mètres ou less, divise par total, combien madame il a envoyé. Ok, alors, total nous connaît, nous n'avons pas gagné total là ici, 6 plus 16 plus 25 plus 18 plus 13 plus 2, nous avons trouvé une 80. À c'est sur ça 80 là, combien qu'il, je disais, une 30 mètres ou less. Alors, entre 20 à 25 mètres, il y a 6 personnes. Entre 25 à 30 mètres, il y a 16 personnes. Alors, moins ce qui 30, il faut 6 plus 16. Et 6 plus 16, il fait 22. Et 22 sur 80, nous pouvons simplifier. Réponse finale pour 11 sur 40. Ça, c'est partie A. Next, partie B. Calculate and estimate for the mean distance that the javelin was thrown. Alors, estimate of mean. Alors, ici, nous avons une frequency table. Alors, formule pour mean, il faut une sum. Effects. Over sum f. Mais si de place x est à 10, pas grave, nous allons mettre x si nous avons envie. Alors, sum f, nous allons dire ici sum f, ça c'est f. Alors, sum f, nous ajoutons tout simplement le valeur f là, il est 80. Alors, sum f, il est bien facile, il est 80 en bas. Next, ça c'est sum fx. Sum fx, avant nous besoin faire une autre colonne pour fx. Alors, de fx, qui nous pouvons faire? Ça, c'est une autre colonne pour fx. Nous pouvons prendre tout le même valeur f, nous pouvons faire avec x. Alors, premier, nous pouvons faire 6 fois valeur x ici. Et ici, x est dans le range, dans l'intervalle. Et là, nous avons mid value x. Quand nous avons estimate of mean, nous connaissons que nous avons mid value x. Nous pouvons checker qui valeur qui trouve exactly halfway between 20 and 25. Alors, ça, c'est 22.5. Qui calcule nous capable de faire? Nous capable de faire 20 plus 25 divisé par 2. Deuxième valeur, entre 25 à 30, il faut 27.5. Entre 30 à 35, il faut 32.5. Entre 35 à 40, il faut 37.5. Entre 40 à 45, il faut 42.5. Et entre 45 à 50, il faut 47.5. Ok, ça c'est une bonne valeur. Next, nous pouvons faire fx. Fx, ça veut dire que nous prenons 22.5. Nous pouvons faire avec 6. Ici, nous faisons 16 fois 27.5 ou nous avons fait VLI, comment dire, F fois X, nous avons fait 6 fois 22.5. Ici, nous faisons 16 fois 27.5. Ici, 25 fois 32.5. 18 fois 37.5. 13 fois 42.5. Ici, 2 fois 47.5. OK? Alors, nous évaluons tout ce que nous avons là. Là, nous avons sum fx. Nous ajoutons tout simplement valeur fx là. Vous trouvez que sum fx pour venir 271. Il pour venir 2710. Il pour venir 2710. Il pour venir 2710. Next. Nous divisons ça de là. Divise par 0. Là, on a 271 sur 8. Nous ne pouvons pas faire le mixed number. 271 sur 8. Il pour venir 33. 7 sur 8. Ça, c'est réponse pour partie B.
Next part, il sait draw the cumulative frequency diagram for this data. Alors, nous vous servez cette table-là pour dessiner une cumulative frequency curve. D'abord, nous avons une cumulative frequency table. Alors, de place distance, c'est pour upper bound pour distance. Alors, upper bound pour distance, nous prenons tout simplement une valeur-là, qui est ici, lesser equal to 20. Next, c'est pour une lesser equal to 25. Next, valeur, c'est 25. De là, lesser equal to 30. Lesser equal to 35, lesser equal to 40, lesser equal to 45 et lesser equal to 50. Next. De place frequency, nous pouvons être cumulative frequency. Alors, lesser equal to 20 n'a aucune valeur, alors il est 0. Lesser equal to 25 pour 6 valeurs, alors ici il est 6. Nous continuons. Lesser equal to 30. Pendant 6 plus 16 fait 22. Lesser equal to 35. Pendant 22 plus 25 qui fait 47. Lesser equal to 40. Nous pouvons ajouter encore 18. Nous pouvons 65. Lesser equal to 45. Pendant 78. Et que nous ajoutons encore 2. Pour gagner lesser equal to 50, il y a 80. À ce nouveau plot, ça mène point là. 20, 0, ça c'est bien upper bound distance et cumulative frequency pour là. Premier point est pour 20, 0. Là, 25, 6, 30, 22, 35, 47, 40, 65, 45, 78 et 50, 80. Et que nous pouvons joindre ce point là avec un smooth cumulative frequency curve. Next part today, use your graph to find an estimate for the median. Alors, comme nous avons un median, nous avons décidé de valeur n, point pli là-haut, les 80. C'est half de n, half de n, half de 80, nous pouvons faire 40. Alors, depuis 40, nous pouvons rester dans la ligne horizontale jusqu'à aller tous nos graphes et que nous lier sa valeur là depuis notre graphe. Ici, où vous trouvez dit, depuis 35, n, 2. C'est-à-dire pour 34, ici, nous pouvons venir à peu près 33,5 ou 33. Ça doit être 34, les pépines, 33,5. Pour moi, les pépines, 33,5. Alors, 33,5. Ça, c'est median. Next interquartile range, nous connaissons, nous gagnons pas. Upper quartile minus lower quartile. Et nous pouvons locate nos upper quartile, nous faisons 3 quarts de N, 3 quarts de 80 qui viennent 60. Nous restons la ligne horizontale côté de tous nos graphes, nous restons la ligne verticale. Alors ici, 43 petits carrés avant lui, il devient 39, 38,5. Alors nous faisons 38,5, retire. À ce lower quartile, nous faisons un quart de N, un quart de 80, il fait 20. Nous faisons la ligne horizontale, côté tous nos graphes, nous faisons la ligne verticale. Alors ici, il peut venir N au milieu, ça veut dire 29,5. Alors si nous subtract 38. 5, nous retire 29,5, nous pouvons une réponse 9. Ici, il peut être 9 mois. Et tout dépend de votre graphe, vous avez checké votre graphe et check marking scheme de quel range qu'il peut accepter réponse. Alors, 33,5 et 9. Next partie E. Women who threw the javelin more than 43 meters qualified for a regional competition. Use your graph to estimate the number of women who qualified for this competition. Nous faisons more than 43. Alors nous locate code 43 MTT. Nous restons la ligne verticale que tous nos graphes. Nous restons la ligne horizontale. Nous lions sa valeur là. Ici, il peut venir 70, 71, 73. Il peut venir 73. Mais d'une tiers qui more than 43. Alors si more than 43 que nous lions nos graphes, nous avons besoin de lier sa partie là. Entre 73 pour le 80, la différence. Alors ici, 80 retire 73. Réponse pour moi, Pevin, 7. Question 9A, ça c'est chapitre vectors. In the diagram, PQ is equal to 4P. P pour le Q, ça vecte la ligne de nous. C'est P pour le Q. Ça lit 4P. Next, qu'il vient de dire, Q pour le R, Q pour le R. Je veux dire ici, total, Q pour R, l'indice est 3Q. Next, pi pour T ici, vecteur pi pour T, l'indice est P plus 2Q. P plus 2Q.
Et quand si donne des relations, il dit que q poil u, les 2 tiers q poil a, et pi poil t, les 2 tiers pi poil s. Première partie, à l'indier, express as simply as possible in terms of p and or q, vecteur p s. Alors nous répondons première partie, comment nous pouvons gagner vecteur p s? Alors vecteur p s. Alors pi poil s. Nous servons cette relation-là. Il peut dire que pi poil t est égal à 2 tiers de pi s, nous pouvons avoir 2 tiers à gauche de bovine, pi poil s de bovine, pi poil t divise par 2 tiers. Alors, les bovines pi poil t divisé nous fait les bovines fois 3 sur 2. À ce vecteur pi t, ça nous connaît. Il nous donne une question vecteur pi t, li pi plus 2q. Alors, il pi plus 2q qui nous peut multiplier avec 3, 2 et que nous sommes capables d'expandre. Si nous expandons, les bovines 3 sur 2p plus 3 sur 2 fois 2, les bovines 3, les bovines plus 3q. Ça, c'est première partie. Next, nous pourrons répondre deuxième partie. Deuxième partie ou partie B, ça c'est première partie A. Là, nous pourrons répondre première partie sur B. Nous avons le vecteur SR. Alors, comment nous avons le vecteur SR? Le vecteur SR ici, ça c'est SR. Nous pouvons faire un peu de tout parce que nous n'avons aucune information directe là-dedans. Nous faisons SP plus PQ plus QR. Alors ici, nous pouvons SR, nous pouvons S poil P plus depuis P poil Q. Là, depuis Q noir R. Alors, S poil pi, là nous connaissons pi poil s, S poil pi, c'est une sens direction, des bovines négatives. Alors, vous pouvez mettre négative avec ça des réponses, négative 3 sur 2p, avec négative 3q. Next, on a pi poil q dit 4p. Alors, ici, des bovines plus 4p. Et dernier, on a qr, qr, l'indien dit 3q. Alors, ici, des bovines plus 3q. Ici, nous observons que négative 3q plus 3q est éliminé. Là, nous prenons l'existe négative 3 sur 2p plus 4p, les deux like terms. Les bovines 2.5 ou 5 sur 2p. Ça, c'est réponse pour partie B. Next, deuxième partie. State the name of the special quadrilateral PQRS. C'est PQRS. Alors, qui quadrilateral ça? Using vectors, give a reason for your answer. Alors, ici, qui quadrilatéral y était? Au fait, il y a un trapézium. À ça, nous pouvons donner une raison qui fait qu'il y a un trapézium. Parce que ça a deux sides parallèles. Et qu'il y a servi en termes vecteurs. Alors, nous trouvons que ça a deux vecteurs parallèles. Ici, nous avons 4p. Et que le vecteur SA, nous avons 2.5p. Nous trouvons qu'il y a un scalar multiple de l'autre. Ok, tous les deux, en termes de p, c'est-à-dire que ça a deux vecteurs parallèles. Alors, il y a un trapézium et que nous pouvons donner une raison qui fait, c'est because PQ is parallel to SR. Alors, nous connaissons si d'un quadrilatéral et a one pair of opposite sides qui est parallèle, il y a un trapézium. Alors, nous trouvons ça deux sides, ça, c'est opposite et c'est parallèle. Alors, il y a un trapézium. Next, nous répondons troisième partie. Troisième partie, l'India, find in its simplest form the ratio PQ is to SR the length. PQ avec X, SR the length. Et nous mettons en termes de length. Ok. Alors, PQ, nous mettons vecteur PQ avec vecteur SR. Et nous mettons the length comme il peut être. Alors, length, les pouvons comme ça, length of PQ is to length of SR. Alors, length of PQ, ça veut dire PQ, nous connaissons 4P, nous pouvons avoir 4P sur length, is to SR sur length. Alors, SR sur length, li 2.5P, ça c'est vecteur SR. Next, nous sommes capables de factoriser, ou soit nous sommes capables de tirer sa 4 là de haut, devine 4 modulus de P, is to, ici nous tirons 2.5 de haut, devine 2.5 fois modulus de pi. À cette des côtés, vous trouvez, vous êtes capable de diviser par modulus de pi, li éliminer, là, devine 4 is to 2.5. Next, quand nous donnons une réponse and ratio, nous parlons ici décimal, il y a simplest form. Alors, qui nous est capable de faire ici? Nous sommes capables de diviser par 2.5, soit avant nous sommes capables de fois par 10, nous fois par 10 des côtés. Qui est pour venir? Ici pour venir 40, ici pour venir 25. Là, next, encore une coup, nous pouvons diviser par 5 des côtés. Alors, si nous divisons par 5 des côtés, réponse pour venir 8 is to 5. Alors, answer ici. Devine 8 is to 5. Ça, c'est réponse pour troisième partie.
Partie B, ici, il nous donne trois vecteurs. Vecteur AB, il est 3, 2. Vecteur BC, il est 6, négatif 2. Vecteur CD, il est négatif 7, négatif 3. Première partie, find vecteur AD. Alors, première partie. Alors, comment nous pouvons faire ça? Nous pouvons bien penser à un vecteur, ça, comme un point à un autre point. Il nous donne vecteur AB, ça veut dire un point A pour un point B, ça nous donne vecteur BC, là, depuis point B pour le point C, il nous donne ça vecteur là. Là, vecteur CD, il nous donne, comment on sortir point C pour le D, et question de dire vecteur AD. Comment nous pouvons sortir depuis E pour le D? Alors, pour prendre E pour le D, nous allons prendre le vecteur, nous allons passer n'importe quel chemin. Alors, E pour le D, nous allons faire AB plus BC plus CD. Alors, ici, nous sortir E pour le D. Li pou vin A pou al B plus B pou al C plus C pou al D. Alors, vecteur AB din de nou li 3, 2 plus vecteur BC li 6, négatif 2 plus vecteur CD li négatif 7, négatif 3. Next, nou combine tout ben X components. Yon a 3 plus 6 plus négatif 7. Nou combine tout ben Y components. Y components yon a 2 plus négatif 2, plus négatif 3. Alors, nous combine. Première partie, réponse pour une 2, négatif 3. 2, négatif 3. Next, nous répondons deuxième partie. Deuxième partie, nous disons, find magnitude ou length of BC. Alors, vecteur BC, nous en allons. Vecteur BC, li 6, négatif 2. Et si nous définissons magnitude of BC, alors magnitude of BC, comment nous faisons ça? Nous faisons positive square root. X component est 6, nous faisons ce square, plus Y component est négatif 2, nous faisons ce square. Alors, nous pouvons square root de 6 ce square fait 36, plus 2 ce square fait 4, nous pouvons square root 40. Nous évaluons ça dans une calculatrice, to three significant figures. Réponse pour 6.32. Next, nous répondons troisième partie. Troisième partie, nous disons, given that E is a midpoint of BC, find AE. Alors ici, il veut dire, E is a midpoint of BC. Alors, il y a un point E ici, et point E est le midpoint of BC. Et question, nous disons, comment nous pouvons sortir depuis A pour E? Alors, pour sortir A pour E, il pouvons venir A pour B, et là, depuis B, nous pouvons aller côté E. À ce stade, ici, il est tricky, A pour B, ça nous connaît les 3, 2. Mais B poil I comme elle peut être. B poil I, vous trouvez la moitié B poil C. Alors ici, vous pouvez la moitié parce que c'est le midpoint. Point E, le midpoint. Alors B poil I, c'est pour la moitié B poil C. Alors E poil B, nous allons de nous 3, 2. Donc, question de donner E poil B et même B poil C, nous connaissons. Il vient plus half times B poil C, c'est 6, négatif 2. Alors, il vient 3, 2 plus ici half de 6. Il peut venir 3, half de négatif 2 fait négatif n. Nous combine ça deux vecteurs, il peut venir 6n. Alors, ça, c'est la réponse pour troisième partie. Question 10. The diagram shows a triangular prism. All length are in centimeters. Show that the volume V centimeter cube of the prism is given by. Alors, nous pourrons le volume sa prism là. Alors, volume of a prism, ce formule, V, égale area of cross-section, fois length. Cross-section, il y a un triangle, et pour autre, ce area, nous passons par formule half AB sin C, divide half times AB, il peut venir x fois 8 tiers x, fois sin de angle C ici de 30 degrés et fois length li pou 20 sin de 30 degrés li fait half alors V pour égal half ici nous capable expand li pou vin 8x retire x square fois sin de 30 degrés li vin half après ici na 20 next ici vous capable éliminer li vin 10 la half coupé ici vin 5 la V pour 5 fois 8x retire x square. Nous expandons. X nous expandons. V pour 5 fois 8x fait 40x. X 5 fois négatif x square fait négatif 5x square.
OK, ça nous tient à pusher. Next part B, on the grid here, draw the graph of V is equal to 40x minus 5x squared for x in between 1 and 7. Ici, il parle de la table of values. Nous-mêmes, nous avons fait une table of values. Alors, dans notre table of values, nous pouvons plot x et v. Alors, qui dit une valeur x qui prend entre 1 à 7. Alors, nous prenons une valeur entre 1 à 7. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Next, nous remplaçons cette valeur x là de sa équation là. Quand x égale 1, nous pouvons trouver v vint 35. A2 divine 60, A3 divine 75, 4 pour remplacer divine 80, 5 divine 75, A6 divine 60, et A7 divine 35. Next, nous pouvons plotter ce point là. Premier point, infini plot pour nous, N35, deuxième point, 2,60, troisième point, 3,75, next, 4,80 pour là, 5,75, 6,60 et 7,35. Là, nous joignons ce même point-là avec un smooth curve. Partie C, use your graph to find the possible values of x for one of these prisms with a volume of 50 cm3. Alors, le volume, nous pouvons y aller depuis vertical axis, 50 cm3. Nous pourrions y aller dans la ligne horizontale, côté de tous nos graphes, nous liés à deux valeurs x là. Alors, le premier là, entre 1 et 2, il pour 1,55 d'après mon graphe. Première valeur, je vais gagner 1,55. Et deuxième valeur que tu peux joindre ici, je vais trouver 1, 2, 3, 4, 6,45. 6,45. Next, partie D. A cuboid has length 4 cm, width 3 cm and height x cm. By drawing a suitable line of, on your graph, find the value of x when the prism and the cuboid have the same volume. Alors, nous avons un cuboid. Cuboid, ce volume, il peut être length times width times height. Il peut être V égale 2x. Alors, ça, c'est pour cuboid. Et que nous sommes capables de sketch ce graph-là. Il peut être une linear graph. Alors, nous pouvons mettre une valeur x égale V. Alors, quand x égale N, on peut trouver que V peut être 12. Mais nous ne pouvons pas plot N 12 là-dedans. OK, parce que ce graph-là, vertical axis, ça commence que 30. Next, nous prenons le 2. 2 peut être 24. Et 2, nous pouvons avoir les 24, ça aussi nous ne pouvons pas le dire. Nous continuons 3. Nous avons 2 points parce que c'est un straight line, un linear graph, 2 points minimum. Alors quand nous pouvons prendre le sport 3, nous pouvons 36. Alors ça, nous ne pouvons pas plot, ça c'est 3, 36. Next, 4, avec 4, nous pouvons 48. Ça, point là aussi, nous ne pouvons pas gagner. Et qu'il y a un straight line, un linear graph, y égale à mx ou v égale à mx. De place y et v. Alors x au power de n, nous pouvons un linear graph, nous pouvons un straight line, nous avons ça 2 points là. Next, il dit que tous les deux ont le même volume. Quand ça, tous les deux graphes ont le même volume, quand je joins ici, quand ça point là, ils ont le même volume, il dit que ce valeur x. Alors ici, nous pouvons lier sa valeur x là. Nous faisons 5 points, 5.2, 5.3, 4, 5, 6. Nous faisons 5.6. Alors nous answer ici, x vin 5.6. Question 11. The diagram shows the positions of two ports A and B, alors A et B sont deux ports, et un lighthouse L. The bearing of B from L, B from L, getting a north côté L, bearing clockwise from north, is 62 degrés. AB est 13 km, BL est 14 km, et AL est 8 km. Calculate the bearing of A from L. Alors A from L, alors nous pouvons faire ça bearing là, là depuis north, nous pouvons faire clockwise direction, pour nous venir jusqu'à direction pour E. Alors nous avons ça total angle là, ça c'est 62 degrés. Là nous avons ça petit angle ici là, là nous ajoutons les. Et nous avons mis theta, nous avons les. Alors partie A. Et d'abord nous avons theta. Comment nous avons theta? Nous observons ce triangle là, il y a trois sides, nous connaissons un angle. Alors nous ne pouvons pas passer par cosine rule. Nous pouvons commencer avec sa side qui vis-à-vis avec angle là, 13 square égale 8 square plus 14 square, et tiers. 2 fois 8 fois 14 fois cos de angle theta. 13 square fait 169. Next, 8 square plus 14 square, il fait 260. Retire ici, si nous évaluons 2 fois 8 fois 14, il fait 224. Alors, il vient 224 fois cos de angle theta. Next, nous avons 260 à gauche, il vient 169. Retire 260 égale
négative 224 fois cos de angle theta. Nous avons ça chiffre là à gauche. Il peut fois avec cos theta, il vient 169. Retire 260 divisé par négative 224. Ça pour égal cos de theta. Mais nous n'avons pour autre theta. Nous avons cos à gauche. Il peut venir cos inverse. 269 retire 260 divisé par négative 224. Ça pour, qui pour égal theta. Là, là, si nous évaluer. Theta pour venir 66.0 degrés. Correct to one decimal place. Ça en devient 66.0 degrés. Mais nous n'avons pour autre ça total angle là qui peut donner nous bearing. Alors pour partie A, bearing qui peut demander, nous avons besoin de faire 62 degrés plus 66.0 degrés. Alors si nous évaluons, nous pouvons 128.0 degrés. Ça c'est réponse pour partie A. Next, nous répondons partie B. Partie B. L'indice qui est boat is located at sea. Et un point C quelque part, et un boat, et un bateau qui là-bas. C is 11 km from B. Alors, from B, il y a 11 km. Si nous pouvons dessiner un locus, c'est pour venir un circle qui est 11 km depuis B. An angle BCA is 90 degrees. Angle BCA est pour 90 degrés. The boat travels to port A in a straight line. Find the distance the boat travels. OK. D'abord, qui l'India qui est pour besoin 11 km depuis B, si nous faisons un cercle, 11 km, il y a n'importe quoi de ça, le cercle là, et angle BCA, angle BCA, il est pour besoin 90 degrés. Alors, si nous dessinons ça ici, si il est pour besoin quelque part par là, ok, si il est pour besoin ici, parce que angle BCA, l'India est 90 degrés. Et que l'India, depuis C, li 11 km depuis B, veut dire sa distance, là, li pour 11. Next, qui l'India, qui battela, li travel in a straight line to A. Si li côté C, li pour travel in a straight line to A. Ça, c'est straight line to A. Et que l'India demande sa distance, ça, nous pouvons faire road AC. Nos objectifs, c'est road AC. Alors, comment nous pouvons ici nous trouver qu'il y a un right angle triangle? Nous ne pouvons pas passer par Pythagoras théorème. Nous trouvons qu'il y a un right angle triangle. Ok, nous avons pour autre ici. Ici, il y a 11, ici, il y a 13. Nous passons par Pythagoras théorème. Ici, pour venir positive square root de 13 square retire 11 square. Là, nous ne passons par Pythagoras théorème. Où vous trouvez qui réponse pour venir square root de 13 square retire 11 square. To three significant figures. Il peut venir 6.93 autant kilomètres. Ok, ça c'est ici. Next, nous répondons à partie C. Partie C, l'India qui est the boat, then travels in a straight line from A to B. Comment l'infini code A? That in straight line from A to B, il peut vous 13 kilomètres. It travels at an average speed of 3.75 kilometers per hour. Ok, calculate the time the boat take to travel from A to B. Ok, il y a assez facile pour tu sais. Pour tu sais, alors nous travaillons. Distance, nous pouvons connaître. Distance from A to B, 13 km. Speed, l'India nous. Soit average speed, 3.75 km per hour. Ok, et question de road time. Nous connaissons que average speed, c'est total distance over total time. Nous cross multiply, nous faisons T subject of formula pour trouver D divisé par S. Alors, distance, 13. Divise par speed de 3.75. Alors nous évaluons si nous faisons 13 divise par 3.75. Li pour faire 52 sur 15. Divine un décimal. Ok, nous laissons as fraction pour l'instant. 52 sur 15. Autant li faire autant hours. Li pour in hours. Mais nous avons une réponse in hours and minutes. Alors in hours and minutes, si nous faisons une mixed number, li pour 3 7 sur 15. Divine 3 hours plus 7 sur 15 hours. Ok, si nous faisons une mixed number, il y a 3 whole hours plus 7 sur 15 hours. Alors, in hours and minutes, avec ben whole hours, nous pouvons les sa fractional hour là, nous pouvons multiplier par 60. La 7 sur 15, si nous multiplions par 60, il peut faire 28. Alors, il peut venir 3 heures temps, 28 minutes. Alors, ça c'est réponse pour partie C.